Aujourd'hui, trois très belles spéciales. Assez rapides, en tout cas pour les deux dernières. La dernière pour la première fois en Andorre. Donc un vrai boulevard. Et en finale, beaucoup de plaisir. Comme à chaque Tour Auto, mais une semaine très éprouvante physiquement. Les parcours routiers étaient quand même cette année un petit peu longs. Donc éprouvante pour la machine, pour les hommes, mais le plaisir surtout d'arriver, la première victoire, c'est d'arriver en Andorre. Hier soir, on était 8e au classement de notre groupe. Je pense qu'aujourd'hui, avec les performances qu'on a faites, on a dû améliorer, on n'a pas encore le classement final. Ce sera la surprise un peu plus tard ce soir, mais on est plutôt content de notre journée puisque on a fait quelques très beaux temps sur les deux dernières spéciales. Donc on devrait normalement améliorer notre classement de la position numéro 8 à je ne sais pas, on verra, ce sera la surprise. Mais encore une fois, la première victoire est bien sûr d'arriver en Andorre, c'était un tour auto comme celui-là. Le physique et le mental sont hyper importants. Semaine riche en émotions, plusieurs péripéties, plein de choses à retenir, de belles spéciales, beau circuit, Nico qui a vachement bien roulé hier, qui s'est bien tiré la bourre avec la Daytona, une Jaguar E qui a fait un tonneau, bon, on en a plein des souvenirs, plein de moments. Mon petit tour au Val de Vienne où je me suis régalé, machine formidable, donc vraiment le souvenir c'est cette auto qui est fantastique. Il y a eu beaucoup de casses sur ce tour auto. On a vu beaucoup de voitures dans des fossés. Là, à l'instant, dans la dernière spéciale en Andorre, on a vu une Jaguar type E sur le toit. Donc, effectivement, ramener la voiture intacte, c'est déjà une très bonne chose. Et puis, je voudrais rendre hommage au team d'assistance, Damien, Maxime, Sébastien, qui ont travaillé tous les soirs de manière assidue sur la voiture. Et bien sûr, François, que nous avons surnommé notre ange gardien, qui nous suit en assistance rapide à bord de sa Toyota Yaris Group 4 et qui est une présence rassurante pour nous. Cette année, il n'a pas eu beaucoup à intervenir, François, mais sa présence était vraiment à chaque fois rassurante derrière nous en cas de pépin et lorsque l'assistance est à distance. Et puis, je voudrais rendre hommage à mon fidèle copilote Adrien qui a été exceptionnel dans la lecture des notes sur le parcours. Un zéro faute. Donc beaucoup de maîtrise je m'en rappelle déjà plus et puis voilà un duo qui fonctionne toujours à merveille, on ne s'est pas accroché une seule fois, c'était d'une limpidité exemplaire. Je voulais remercier Nicolas pour cette semaine encore de rêve et comme Nicolas le dit, c'est une équipe, c'est un duo qui fonctionne, donc on en a bien profité, ça s'équilibre.